Bonjour à tous et bienvenue pour une grande première à l'auditorium de la FFF. Comme vous avez pu l'apprendre il y a quelques jours, la Fédération Française de Football poursuit sa stratégie d'innovation et lance l'équipe de France eFoot, une team dirigée par Fabien Devide, mieux connu sous le pseudo de Néo. Bonjour Néo, on imagine que vous êtes honoré par cette désignation. Bonjour, effectivement, je suis très honoré d'être le premier sélectionneur de l'équipe d'eFoot et j'espère qu'on aura des beaux projets et qu'ils vont se poursuivre pendant longtemps. Alors justement, les projets, ce sont des matchs sous forme d'exhibition qui attendent prochainement nos Bleus. Et pour désigner les 4 qui composeront cette équipe, 16 joueurs ont été présélectionnés pour participer à un camp de qualification qui se déroulera les 20 et 21 avril prochains du côté de Clairefontaine. Néo, avant d'annoncer la liste des 16, justement, expliquez-nous un petit peu le mode de sélection. Le mode de sélection est très simple. On a simplement récupéré les 12 premiers Français issus du classement FUT Champions au mois de février, toutes plateformes confondues. Et en plus de ça, j'ai fait une sélection de 4 joueurs. Allez, on va pas faire durer le suspense davantage. On passe tout de suite justement à cette liste des 16. Le premier appelé est Aurélien Chéran, alias Moulzen. Lucas Cuillerier, alias Dax. Vincent Dubois, alias Vincente. Nathan Gilles, Erosia, Redouane Sali, Redigno, Nathan Nayagom, alias Sneaky, Corentin Tuilier, alias Maestro, Thomas Doré, alias Thomason God, Sami Bakhti, alias Sami Loumine, Marvin Robert, alias Aero, Diogo Peixoto, alias Diogo, Florian Marida, alias Rezia. On connaît donc les 12 premiers présélectionnés, bien sûr, pour ce tournoi. Et à cela va s'ajouter 4 choix personnels, Néo. Oui, les 4 joueurs de ma sélection ont été appelés sur des critères de palmarès et d'état de forme. Le premier appelé est Fouad Fares, alias Rafsou, joueur de l'Olympique Lyonnais. Johan Simon, alias Manica, joueur du PSG champion de France 2017. Corentin Vicogne, alias Kokové Bastos, joueur de l'Olympique Lyonnais. Et le dernier appelé est Corentin Chevret, alias Rocky, champion du monde 2017. Une première réaction à chaud, Néo, l'absence de Brian, le grand absent de cette présentation. Une explication. Brian avait totalement sa place dans cette liste, surtout dans la liste des 12, étant donné qu'il faisait partie des 12 premiers Français également. Mais on a jugé avec lui qu'on avait justement besoin d'atouts tactiques dans notre staff, et c'est pour ça qu'il a rejoint l'encadrement. Ils seront donc 16 pour 4 places afin de représenter cette équipe de France eFoot et enfiler ce célèbre maillot bleu. Expliquez-nous un petit peu justement le format du tournoi de présélection qui nous attend désormais. Alors le format est très simple. Il y aura 4 poules de 4 joueurs. À l'issue de ces poules, nous aurons 4 petites finales pour déterminer qui seront les derniers appelés. Allez, rendez-vous, vous l'avez compris, les 20 et 21 avril prochains du côté de Clairefontaine pour ce tournoi de présélection. Et d'ici là, pour suivre l'actu de cette équipe de France eFoot, on vous donne rendez-vous sur les comptes Twitter et Facebook eFoot de France. Restez connectés et soyez nombreux à soutenir cette équipe dirigée par Néo. On vous souhaite que du bon, Néo. Merci beaucoup.